Parce que les hommes veulent le pouvoir, parce que l'histoire se répète. Parce que là-bas, l'espoir a pris perpète. Condamné à survivre entre la vie et la mort. On ne compte plus sur personne comme on ne compte plus les corps. On manque de tout, on enlève tout à ceux qui n'ont rien. Beaucoup meurent sur le coup, les autres meurent de faim. Oublié d'un monde où le Darfour n'est qu'une ombre. Où l'Afrique a trouvé sa tombe. Plongé dans l'horreur des massacres et aux 20h, seulement quelques secondes qu'on leur consacre. On préfère voir les JO que de voir le sang giser. Les médias se foutent de tout un peuple exterminé. Et un chef d'État, non, un chef de coup d'État. Et pour le Tchad, c'est le même combat. Ils ont envoyé l'armée soudanaise pour que la région du Darfour meure sous les braises. Des villages pillés, saccagés par les Janjaouides. Des hommes tués, parfois brûlés vifs. Femmes torturées, enfants violés, l'ONU ne les condamne pas pour crimes contre l'humanité. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais le monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais ce monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Parce que les hommes veulent le pouvoir, parce que l'histoire se répète. Parce que là-bas, l'espoir a pris perpète. Bourreaux et victimes ont pourtant le même Dieu. Aux yeux du monde, leurs cris et les crimes restent silencieux. Et chaque mois qui passe, c'est 10 000 morts de plus. Soutenus par la Chine, ravitaillés par les Russes. Les gouvernements font du commerce avec ces assassins. Des néo-collabos et toute une région s'éteint. Opposés à l'embargo pour du pétrole et des armes. Ils envoient leur diable à cheval et personne ne sonne l'alarme. Non assistance à tout un peuple en danger. 4 années de massacres, 2 millions de réfugiés. Et des camps plantés au milieu de nulle part. On parle, on en reparle, mais il est peut-être trop tard. C'est l'état d'urgence, ils boycottent les aides humanitaires. Ils les laissent se faire tuer dans cette jungle sanguinaire. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais le monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais ce monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Je voudrais être fier de mon pays, qu'il brise le silence pour ne pas être complice d'un autre génocide. Que tous ces pays riches qui nagent dans l'indifférence se liguent contre un gouvernement coupable d'homicide. Le Rwanda n'a donc pas servi d'exemple. Où est cette foire d'humanité dont l'Occident se croit exemple? Des exodes forcés et l'assassinat d'un peuple, des crimes organisés, l'atrocité de tous ces meurtres, du sang sur un fleuve qui suit son cours et du sang sur les mains de tous ceux qui restent sourds. Ils ferment les yeux, donc les miens sont remplis de larmes. J'accuse le silence du monde et je les condamne. Pourquoi est-ce toujours ce continent qui saigne? Pourquoi ce sont toujours la terreur et la peur qu'ils sèment? Pourquoi diffusent-ils encore lorsqu'ils règnent? Pourquoi toujours ce même requiem? Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que les hommes veulent le pouvoir, parce que l'histoire se répète. Parce que là-bas, l'espoir a pris perpète. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais le monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour. Au carrefour de la douleur se trouve le Darfour. Un peuple meurt, crie au secours, mais le monde reste sourd. Mais ce monde reste sourd. Le compte à rebours est lancé, des centaines de morts par jour.